These people speak French. In this course, everybody speaks French. Commençons par mes parents. Don't be concerned if you can't understand what they say at first. Voilà mon père et ma mère. Listen, watch, and get involved. Voilà. Pretty soon you will figure out what's going on. Mon Dieu. And be able to say a few things in French yourself. Ouais. Back in the French class, the teacher announces that we are going to invent a story about two young people, an American man and a French woman. We'll invent friends and adventures for them. It should be fun and useful for learning French, he says. Let's hope so. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Je suis le professeur. Nous allons apprendre le français. Vous êtes d'accord? Tout le monde a compris? Ben oui. Vous êtes le professeur, nous sommes les étudiants et nous allons apprendre le français. Oh, mais vous parlez français. Vous êtes français? Non. Mais vous savez le français? Un petit peu. Ah bon? Alors, écoutez bien. Nous allons apprendre le français. D'accord? Et pour apprendre le français, nous allons inventer une histoire. Une histoire? Oui, une histoire. Une histoire comme l'histoire de Babar, comme l'histoire d'Astérix. Une histoire comme l'histoire de Pierre et le loup. Une histoire comme l'histoire de Renard et du loup. Une histoire comme l'histoire du petit chaperon rouge. Nous allons inventer une histoire. Pourquoi faire? Nous allons inventer une histoire pour apprendre le français. Nous allons inventer une histoire parce que ça va être utile pour apprendre le français. Ça va être utile? Oui, bien sûr, ça va être utile. Pour apprendre le français? Mais oui! Inventer une histoire, ça va être utile pour apprendre le français. Bon, alors c'est d'accord. Hein? Nous allons inventer une histoire. Oui, mais qui va inventer l'histoire? Vous ou nous? Qu'est-ce qui va inventer l'histoire? Mais nous, vous et moi. Moi, je vais proposer l'histoire. Ben, nous alors? Eh bien, vous allez inventer l'histoire avec moi. Nous allons inventer l'histoire ensemble. Vous et moi, ensemble. D'accord? D'accord. D'accord? D'accord. Bon, alors nous allons inventer une histoire. Une histoire. L'histoire d'un éléphant? Non. L'histoire d'un homme et d'une femme. L'histoire de Hansel et Gretel. L'histoire de Paul et Virginie. Non. Écoutez, ça va être l'histoire de deux jeunes gens. L'histoire de deux jeunes gens? Oui, l'histoire de deux jeunes gens. L'histoire d'un jeune homme et d'une jeune fille. D'accord? Pourquoi pas? Bon, très bien. Ça va être l'histoire d'un jeune homme et d'une jeune fille. Qu'est-ce que le jeune homme va être? Est-ce que le jeune homme va être italien? Buongiorno, come va? Non, pas italien. Non, le jeune homme ne va pas être italien? Qu'est-ce qu'il va être alors? Est-ce qu'il va être espagnol? Hola, ¿qué tal? Non. Alors, qu'est-ce qu'il va être? Est-ce qu'il va être anglais? Why not?
Non, il ne va pas être anglais. Alors, qu'est-ce qu'il va être? Est-ce qu'il va être japonais? Konnichiwa, hajimemashite. Non, il ne va pas être japonais. Alors, qu'est-ce qu'il va être? Il va être norvégien? Goddag, won gode med dere. Non, il ne va pas être norvégien? Alors, qu'est-ce qu'il va être? Américain? Si vous voulez. Bon, très bien. Le jeune homme va être américain. Le jeune homme va être américain. Et la jeune fille, qu'est-ce qu'elle va être? Est-ce qu'elle va être américaine? Non. Est-ce qu'elle va être norvégienne? Kudag. Est-ce qu'elle va être japonaise? Konnichiwa, ikaga osugoshi desu ka? Est-ce qu'elle va être anglaise? Hello. Est-ce qu'elle va être française? Française. Oui, c'est ça. La jeune fille va être française. Pour apprendre le français, une jeune fille française, ça va être utile, d'accord? La jeune fille va être française. Pourquoi est-ce que la jeune fille va être française? Parce que ça va être utile pour apprendre le français. Pour apprendre le français, nous allons inventer une histoire. Ça va être l'histoire de deux jeunes gens. Un jeune homme et une jeune fille. La jeune fille va être française et le jeune homme va être américain. Les deux jeunes gens vont avoir des amis. Ils vont avoir beaucoup d'amis. Nous allons choisir des amis pour les deux jeunes gens. Nous allons inventer des aventures, des voyages. Nous allons discuter tout ça ensemble, vous et moi. Ça va être un jeu, ça va être amusant. Espérons que ça va être amusant. Mais oui, ça va être amusant, bien sûr. Ça va être amusant et utile. Pour apprendre le français. C'est ça, ça va être amusant et ça va être utile pour apprendre le français. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, écoutez, nous allons apprendre le français. Mesdames. Mesdames. Mesdemoiselles. Mesdemoiselles. Messieurs. Messieurs. Mesdames. Madame. Mesdames. Madame, mesdames. Madame. Mademoiselle. Mademoiselle. Mesdemoiselles. Mademoiselle, mesdemoiselles. Monsieur. Messieurs. Monsieur. Messieurs. Mesdames. Mesdemoiselles, messieurs. Écoutez. Écoutez. Regardez, il écoute. Il écoute. Il écoute. Allô, j'écoute? Elle écoute. Elle écoute. Elle écoute. Écoute, Alsace. Écoutez attentivement, Patricia. Bon, eh bien, vous aussi, écoutez. Écoutez, hein? Vous allez écouter. Alors je suis calme et je t'écoute. Écoutez. Moi, je suis le professeur. Je vais parler bla 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 bla. Je vais parler français. Je vais parler parce que je suis le professeur. Et vous, vous allez écouter parce que vous êtes les étudiants. Le professeur va parler et les étudiants vont écouter. Les étudiants écoutent, d'accord? Ah non, les étudiants vont parler et le professeur va écouter. Oui, bien sûr, les étudiants aussi vont parler. D'accord, mais maintenant, je vais parler et vous, vous allez écouter. Allez, écoutez. Pour apprendre le français, nous allons inventer une histoire. Une histoire comme l'histoire de Babar ou l'histoire de Winnie the Pooh.
Regardez cette petite fille. Qu'est-ce qu'elle va faire? Je vais te raconter une histoire. Alors tu vois, ça c'est... Une histoire. Nous allons inventer une histoire. Nous allons inventer. Ça va être une invention. Regardez cet homme préhistorique. Il va inventer la roue. Les Chinois ont inventé la poudre. Edison a inventé l'ampoule électrique. Qu'est-ce que tu vas encore inventer? Marie-Laure aussi invente des trucs. Qu'est-ce que tu vas encore inventer? Un téléphone, tiens, essaye. Tu vois? Dans le fil. Allô? Nous, nous allons inventer une histoire. L'histoire de deux jeunes gens. Ça va être l'histoire de deux jeunes gens, une jeune fille et un jeune homme. Un jeune homme, une jeune fille. Une jeune fille. Qu'est-ce que c'est que ça? Un jeune homme ou une jeune fille? Une jeune fille, oui. Et ça, qu'est-ce que c'est? Une jeune fille? Non, ce n'est pas une jeune fille, c'est une dame. Et ça, c'est une dame? Non, ce n'est pas une dame, c'est un curé. Ça, c'est une jeune fille. Et ça, qu'est-ce que c'est? Une jeune fille? Non, pas vraiment, non. Ça, c'est une petite fille. Ça, c'est un jeune homme. Et ça? Non, ça, ce n'est pas un jeune homme, c'est un monsieur. Ça, oui, c'est un jeune homme. Et ça, c'est un jeune homme? Non, pas vraiment. C'est un petit garçon. Ça, qu'est-ce que c'est? Une jeune fille, oui. Et ça? Ce sont des jeunes filles, des jeunes filles. Une jeune fille, des jeunes filles. Ça, qu'est-ce que c'est? Un jeune homme, oui. Et ça? Ça, ce sont des jeunes gens. Pour l'histoire, nous allons choisir une jeune fille et un jeune homme. Nous allons choisir. Il faut choisir. Elle choisit des fruits. Il choisit une carte. Nous, nous allons choisir la nationalité des jeunes gens. Est-ce que la jeune fille va être américaine? Sure, why not? Italienne? Bah, parce que non. Ou bien est-ce qu'elle va être anglaise? Why not? Ou bien est-ce qu'elle va être japonaise? Eh, idéia. Ou bien est-ce qu'elle va être française? Oui. Est-ce que le jeune homme va être américain? Why not? Italien? Perché no? Norvégien? Sofogli. Ou bien est-ce qu'il va être anglais? Why not? Ou bien est-ce qu'il va être japonais? Monsieur. Ou bien est-ce qu'il va être français? Nous pouvons choisir une jeune fille américaine ou une jeune fille italienne, norvégienne, anglaise, japonaise ou une jeune fille française. Nous pouvons aussi choisir un jeune homme américain ou un jeune homme italien, norvégien, japonais ou un jeune homme français. Regardez ce jeune homme. Il est américain. Et cette jeune fille, elle est américaine. Il est italien, elle est italienne. Il est américain, elle est américaine. Il est anglais, elle est anglaise. Il est français, elle est française. Nous allons aussi choisir des amis. Les jeunes gens de l'histoire vont avoir des amis. Des amis. Voilà, des amis. Des amis. Des amis. Des amis. Mon ami, Antoine Dutilleul. Ousmane, un ami. Un ami. Annick, une amie. Une amie. Un ami, masculin. Une amie, féminin. Les jeunes gens vont avoir des amis. Sophie, Philippe, des amis. Un ami, des amis. Ils vont avoir des amis, beaucoup d'amis. Des amis, beaucoup d'amis.
un étudiant, des étudiants, beaucoup d'étudiants. Des ballons, beaucoup de ballons. Un bateau, beaucoup de bateaux. De l'argent, beaucoup d'argent. Les jeunes gens de l'histoire vont avoir beaucoup d'amis. Des amis italiens? Oui, pourquoi pas, si vous voulez. Regardez Marie-Laure, elle va dire pourquoi pas. Ça suffit, tu ne vas pas les manger tous. Et pourquoi pas? Parce que tu vas être malade. Regardez ce monsieur, vous allez voir, il va dire pourquoi pas. Pardon, monsieur, vous voulez apprendre le japonais? Ah. Et vous, monsieur, vous voulez apprendre le japonais? Pourquoi pas? Est-ce que vous voulez faire un film avec moi? Ah oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous voulez venir? Pourquoi pas? Nous allons inventer des voyages. Des voyages en train. Des voyages en voiture. Des voyages en avion, des voyages en hélicoptère. Voilà, des gens qui partent en voyage. Nous allons inventer des voyages, des aventures, toutes sortes d'aventures. Des aventures sentimentales. Oui, oui, mais qui est-ce qui va inventer tout ça? Vous. Elle. Lui. Elle. Eux. Nous. Vous et moi. Nous. Moi. Toi. Nous. Vous. Lui. Eux. Elle. Elle. Nous allons inventer l'histoire ensemble. Moi, je vais proposer l'histoire et vous, vous allez discuter. Vous allez discuter. Oui, non, d'accord, non, non, je ne suis pas d'accord, oui, non. C'est uni. Alors, ben voilà, on va discuter. Regardez, ils discutent. T'as l'air de dire que c'est à nous de faire le travail. Toi, je sais ce que tu penses, va. Ah ben, dis-le. Mais je vais te le dire. Juste un petit changement. Un petit changement, mais le fric, tu l'as? Ils discutent. Moi, je vais proposer l'histoire et vous, vous allez discuter l'histoire avec moi. Nous allons discuter, nous allons inventer ensemble. Regardez, elle et lui, ils sont ensemble. Elles, elles sont ensemble. Vous êtes ensemble? Oui? Oui, ils sont ensemble. Vous êtes ensemble? Non. Ils ne sont pas ensemble. Ils voyagent ensemble. Vous êtes contents qu'on voyage ensemble? Oui. Nous, nous allons inventer l'histoire ensemble. D'accord? Vous êtes d'accord? Regardez, eux, ils sont d'accord. D'accord. D'accord, c'est entendu. Est-ce qu'ils sont d'accord? Ah non, eux, ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord. Et eux, ils sont d'accord? Oui, ils sont ensemble et ils sont d'accord. Et là? Là, ils sont ensemble, mais ils ne sont pas d'accord. Nous allons inventer l'histoire ensemble, d'accord? Ça va être amusant. Ça va être un jeu. Un jeu. Belote et rebelote. Un jeu comme la belote, par exemple. La belote, c'est un jeu de cartes. Regardez Marie-Laure et Mireille ici. Elles jouent à un jeu. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. La première qui rira aura une tapette. Regardez Marie-Laure ici. Elle joue à un jeu. Elle joue à la marelle. La marelle, c'est un jeu. Regardez Mireille et Marie-Laure. Elles jouent à un jeu. C'est un jeu amusant. Vignole aussi, c'est amusant. Ça, c'est une histoire amusante. C'est une histoire belge.
Lui aussi, il est amusant. Et le jeu de Marie-Laure, là, il est amusant? Ça t'amuse? Oui, c'est amusant. Nous allons inventer une histoire, des voyages, des aventures. Nous allons discuter tout ça ensemble. Ça va être un jeu. Ça va être amusant. Espérons. Oui, espérons que ça va être amusant. Il espère que ça va être amusant. Il faut espérer. Il faut toujours espérer. Tenez, regardez Marie-Laure ici. J'espère que c'est des chocolats. C'est des chocolats. Elle espère. Elle espère que ça va être des chocolats. J'espère que ce sont des chocolats. Zut, ce ne sont pas des chocolats. Mireille aussi, elle espère. Elle espère que Marie-Laure va lui donner des chocolats. J'espère que tu vas m'en donner. Je ne sais pas, faut voir. Regardez ici, tante Georgette ne va pas bien. Mireille espère qu'elle va aller mieux. Moi, ça ne va pas fort. Je suis fatiguée. J'espère que ça va aller mieux. Vous allez pouvoir vous lever? J'espère. On essaie doucement. Maintenant, vous allez parler français. Écoutez ce dialogue entre Mireille et son ami Jean-Michel. Vous allez répéter les réponses de Jean-Michel. Alors, nous allons inventer une histoire. Nous allons inventer une histoire? Oui, et je vais proposer l'histoire. Et nous alors? Ben vous allez inventer l'histoire avec moi. On va inventer des aventures, des voyages. Ça va être amusant, non? Espérons. Espérons que ça va être amusant. À vous maintenant. Vous êtes Jean-Michel. Alors, nous allons inventer une histoire. 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 Oui, et je vais proposer l'histoire. Et nous alors? Et nous alors? Et nous alors? Ben vous allez inventer l'histoire avec moi. On va inventer des aventures, des voyages. Ça va être amusant, non? Espérons. Espérons que ça va être amusant. Espérons. Espérons que ça va être amusant. Espérons. Espérons que ça va être amusant. Nous allons inventer une histoire. Ça va être amusant et ça va être utile. Ça va être utile pour apprendre le français. Amusant, et utile. Un crayon, c'est utile pour écrire. Des lunettes, c'est utile pour lire. Une clé, c'est utile pour ouvrir. Une cravate, non. Une cravate, c'est joli, mais ce n'est pas utile. Un mouchoir, c'est utile. Et des cigarettes, c'est utile, des cigarettes? Non, les cigarettes, ce n'est pas utile. Voyons si vous avez compris. Un crayon? Oui, c'est utile. Des cigarettes? Non, ce n'est pas utile. Des poireaux? Oui, c'est utile. Des fleurs? Non, ce n'est pas utile. Observez. Nous allons apprendre le français. Nous allons inventer une histoire. Vous allez discuter l'histoire. Observez. Bonjour, et où vas-tu? Tu vois, je vais prendre des fidons. Maintenant, observez ceci. Bonjour, qu'est-ce que tu fais? Tu vois, je promène Fido. Comparez. Tu vois, je vais promener Fido. Tu vois, je promène Fido. Maintenant, regardez ce jeune homme. Il va téléphoner. Il va manger. C'est le futur immédiat. Maintenant, il mange. C'est le présent. Maintenant, regardez Marie-Laure qui mange trop de chocolat. Ça suffit, tu ne vas pas les manger tous. Et pourquoi pas? Parce que tu vas être malade. Elle va être malade. C'est le futur immédiat. Maintenant, regardez ici. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis malade. Maintenant, elle est malade. C'est le présent. Regardez Ousmane. Il va travailler. Et maintenant, il travaille.
Il va travailler, il va étudier, c'est le futur immédiat. Maintenant, il travaille, il étudie, c'est le présent. Il mange, présent. Il va manger, futur immédiat. Il va étudier, il va discuter, il va parler, il va écouter, futur immédiat. Voyons si vous avez compris. Moi, je suis... Le professeur. Vous, vous êtes... Les étudiants. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons apprendre... Le français. Et pour apprendre le français, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons... inventer... Une histoire. Voilà, nous allons inventer une histoire ensemble. Moi, je vais proposer l'histoire et vous, vous allez... discuter l'histoire. Ça va être l'histoire... de deux jeunes gens. Un jeune homme et... une jeune fille. Bien sûr, ça va être... amusant. Amusant et... utile. Utile pour apprendre le français. Enfin, espérons. Espérons que ça va être utile et amusant. Espérons. Espérons. Espérons.